Que vais-je rencontrer? À quoi vais-je assister? La plus grande addiction, c'est l'inconnu, l'impossibilité de réfléchir mes photos. C'est l'essence même de cet exercice, qui est la photographie de rue. Bonjour à tous, je suis Alexandre Canguilhem du magasin Camara à Brive-la-Gaillarde et je vais vous présenter en exclusivité le nouveau boîtier de chez Canon plein format, le Canon R6 Mark II. J'ai testé ce boîtier pendant 24 heures sur le terrain. Le terrain de jeu, c'était Paris. Je l'ai testé en portrait, en architecture, en street photo et en sport. On est à Beaugrenelle, on est passé au milieu des buildings et on a vraiment un angle incroyable à 15 mm. Donc du coup on fait de l'architecture tête en l'air. Qui met ses points AF sur le sujet. On vient de tester l'AF sur les sujets en mouvement, donc sur les humains. Et l'autofocus ne l'a jamais lâché. Je viens de faire un test sur les immeubles d'autofocus. On voit bien que l'autofocus capte directement l'immeuble de droite. Après, je descends et on voit l'immeuble en fait qui reste tout le temps en autofocus. Le Canon R6 Mark II évolue avec un capteur de 24 millions de pixels, une rafale d'image à 40 images secondes, une mise au point avec détection de suivi issue du Canon R3 qui incorpore les avions, les chevaux, les trains et peut-être bientôt les coccinelles. On a une 4K à 60 images secondes et nous avons aussi un gain d'autonomie par rapport au R6 Mark I de 50%. Le 70-200-8 est monté sur le R6 II. On va tout de suite attendre les métros en version aérien sur le pont en face pour voir si la détection des trains marche très bien. Visiblement, ça accroche très très bien. Il ne l'a pas du tout lâché de toute la scène. C'est validé. Au niveau ergonomie, Canon revient avec ce R6 Mark II nous proposer des nouveautés telles que le switch photo et vidéo qui nous permet de passer d'un mode à l'autre en un seul clic. Pour la partie bouton on-off, ils nous ont mis un bouton verrouillé qui nous permet de ne pas toucher les réglages que nous aurons effectués auparavant et du coup qui nous sécurise nos réglages. Ensuite, derrière, ils ont modifié et redesigné le joystick arrière de mise au point qui est plus fluide et beaucoup plus facile à attraper avec le pouce. Et pour la griffe flash, il nous incorpore désormais une griffe flash intelligente qui permet de mettre beaucoup plus d'accessoires avec un seul flash. Bah là, on est au skatepark et on va tester la rafale d'image qui est à 40 images par seconde sur ce boîtier-là. Ça rend plutôt très très bien. Et on a vraiment toute la séquence. Ça va rendre très très bien ça. On a la rafale d'image 40 images par seconde qui est très très efficace, surtout qu'il nous permet d'avoir la seconde d'avant le déclenchement. Donc ça c'est très intéressant, si on a loupé le déclenchement, on a quand même possibilité de récupérer la seconde d'avant. Le suivi de sujet est vraiment bon, il attrape l'œil au premier coup et ne le lâche jamais. Pareil pour tout ce qui est sujet comme des immeubles, on a vraiment l'autofocus qui se fait sur les immeubles et qui contourne même les ciels
donc qui reste tout le temps fixé sur ce qu'on veut prendre en photo. Elle est bien. Ouais, franchement, la défense. C'est là aussi. C'est là aussi. Non, plus la tête. Vas-y, un peu plus contre la ligne. Mais l'autofocus, tu vois qu'il est tout le temps en train de te frapper. Là, regarde, là, il a cherché l'œil alors que t'es dans l'ombre. On a fait du portrait. On a fait beaucoup de portraits de nuit avec. Et même avec une basse lumière, le suivi de sujet est très très bon. Il attrape l'œil même en basse luminosité. Mon retour d'expérience sur ce boîtier, c'est que en ISO, sa montée est très très bonne. Il garde toujours cette facilité de monter en ISO due à son capteur de 24 millions de pixels. Sur la partie vidéo, ce qui est bluffant, c'est la stabilisation à main levée. J'ai pu passer du mode photo à vidéo en un instant et surtout de pouvoir capturer des vidéos à main levée sans avoir de tremblement et sans avoir de bouger sur mes rushs. Pour résumer sur ce nouveau boîtier, le Canon R6 Mark II, si je devais donner que trois adjectifs, ce serait polyvalence, rapidité et technologie.